Alors bonsoir tout le monde, prédiction de la semaine, hein, comme tous les lundis soirs, maintenant vous avez l'habitude. Hein, je vous rappelle que maintenant, je l'ai fait le soir parce que lundi soir parce que je suis en formation, comme vous le savez. Bon, normalement on devrait avoir de la neige bientôt, donc il y en a une qui va être contente parce que s'il y a trop de neige et trop de verglas, je vais être obligé de rester à la maison, elle va être contente Nini. Ah merde, il va être encore dans mes pattes. Hein, Oh, la tête qu'a fait, je vous raconte pas. Enfin bref. Bon, on va commencer comme d'habitude par la France, hein. Notre chère et tendre France. Ouais, comme dit la chanson, douce France. Ça, ce qui me fait rire, c'est que c'est quelqu'un, ce mec-là, Charles Trenet, en l'occurrence, qui était adulé par beaucoup de personnes. Tout le monde savait qu'il était pédophile, mais personne ne faisait rien. C'est le problème, quand on a une certaine notoriété, on se croit tout permis. Mais bon, maintenant. Alors, Dom, Marlène, Stéphane, Lily Rose, pardon, Hervé, Jacqueline, Bébé, Pascal, Sissi et Bernard, le 7. Et nous avons le chariot en vert. Bon, ça, on sait d'où ça vient. Hein. Pas besoin de chercher. Catherine Stéphane Cabaye, le 2. Les étoiles en vert. Frustration. Alba Mimis Matou, le 11. 11. Ah, Cernunnos, la colère. Raymond Restaire le 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. La roue en vert. Claudine, Camille, Heidi le 21. 20. Le pendu en droit. Soleil le 1. Le magicien en droit. Jocelyne le 6. 6. La tour en vert. Céline, Marie-Thérèse, Katia, Patrick, Walking Dead le 8. Le soleil en vert. Et pour finir, Daniel, Alain, Brigitte, Yanis, Véronique, le 5. 2, 3, 4, 5. Et nous avons l'ermite en vert. Donc par rapport à la situation actuelle, alors il y a un truc que je voulais dire parce que ça, personne n'en parle. Même pas les médias, ils n'en parlent pas les médias. Faut savoir que il y a énormément en ce moment de manifestations d'agriculteurs. Il y a aussi, et ça passe pas dans les médias, mais il y a des appels à la grève générale et à la manifestation générale à partir de ce week-end qui vient par rapport à ce qui se passe en France. Alors, il y a énormément d'agriculteurs, il faut savoir qu'il y a des agriculteurs un peu partout en France, surtout aussi en Allemagne, où, qui commencent à manifester. Et donc, pour l'instant, ils sont un peu seuls, mais je crois qu'il faudra quand même qu'à un moment ou à un autre, on se dise, on va peut-être bouger un peu nos culs pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pour ça que je vois qu'il y a de plus en plus de colère. Hein, par rapport à tout ce qui se passe, en l'occurrence les augmentations à plus savoir qu'en faire. Je vous en avais déjà parlé sur un live, j'en reparlerai peut-être demain soir si on me le demande. Mais voilà, donc ce qu'on nous donne d'un côté, c'est-à-dire
1, enfin 15 € d'augmentation du SMIG. De l'autre côté, on va nous en reprendre 25 € avec toutes les augmentations. En l'occurrence, la CSG qui a augmenté de 12%. Voilà. Donc vous voyez, d'un côté, on nous en donne, on nous dit, ah, vous avez vu, 15 €. Et puis de l'autre côté, ben, on va nous en piquer 20 ou 25 en plus. Voilà. Donc sans compter toutes les augmentations. Donc on commence sérieusement à bouillir. Mais il serait peut-être temps que la cocotte minute à se décompresse, quoi. Le meilleur moyen, bah, c'est de descendre dans la rue, de faire grève. En deux mots, de bloquer. Excusez-moi. En deux mots, de bloquer le pays. Ouais, on n'a pas le choix, de toute façon. Hein. Donc voilà, on a voilà ce bon, on a encore malheureusement l'arrivage de migrants, ce qui ne change pas. Quelque part, ça nous frustre parce que quand on voit les avantages qu'ils ont, on se dit mais nous on est complètement lésés. Et personne ne dit rien. Voilà, les trois quarts du temps, les gens c'est ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi je peux rien faire tout seul. Mais on est 60 millions, hein, voilà quoi. Je dis ça, je dis rien. Hein, Donc voilà, donc ça continue à monter, la pression continue à monter, mais à première vue, la pression sur les Français, elle n'est pas encore assez forte. Je me demande à quel point on devra subir pour pouvoir que les Français se bougent le fion, hein, c'est le cas de le dire, excusez-moi du terme. Je serais même peut-être plus vulgaire en disant faudrait peut-être que les Français commencent à se retirer les doigts du cul. Hein, parce que là, ça devient grave. Voilà. Donc on continue à s'enfoncer gentiment, mais voilà. Hein, on est jusque-là dans la merde. Hein, et encore, pas loin de là. Hein. Donc faut peut-être qu'on se réveille. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire pour la France. De toute façon, tout ça, je pense qu'on en reparlera demain soir pendant mon live, à partir de 21 h, hein, comme d'habitude, sur mon YouTube. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est Francis Biard. Et puis, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas justement à venir donner votre point de vue sur ce qui se passe en ce moment. Tous les avis sont bons à savoir. Voilà. Sur ce, je vais faire après la vidéo sur l'Europe.